c'est pas possible, putain. Arrête de faire des appels de phare, arrête! Putain! Bref. Bon, on est le week-end. Hein, quelque part, t'as remarqué que là, c'est pas comme un vendredi soir à Annecy. Hein. Là, il se passe quelque chose. Bon. Alors, il y a un truc que je vous parlais la dernière fois dans la précédente vidéo. C'est cette rue. Ok? Je vais vous la commenter en direct, bien évidemment. Les gens pensent... Attends, je regarde juste parce que j'ai reçu un petit truc tranquille, tu vois, sur Facebook. Et à cette heure-là, c'est jamais bon. Ouais, bien sûr. Ouais, on s'en fout de ça. Donc, si tu veux, vas-y, passe, vas-y. Bref. Je vais vous commenter le truc en direct. D'accord? C'est plus simple, comme ça, tout le monde va comprendre. Ouais, faut être malin. Donc, moi, il y a un truc que j'arrive toujours pas à comprendre. Je rêve qu'un jour... quelqu'un m'explique cette situation-là. C'est-à-dire que, regarde, tu vas voir des gens qui vont te dire, moi je sors que pour m'amuser, que pour danser, etc. Parce que j'aime bien danser, je sais pas quoi, machin. Tu vas voir ces gens-là. Ensuite, tu vas avoir d'autres gens, je fume une cigarette, hein, je me fais plaisir, de toutes les manières, voilà. Hein, donc, si tu veux, tu vas avoir des gens. Par contre, je bois pas d'alcool et je me drogue pas, donc tu sais, faut sauver l'honneur quelque part. S'il me rentre dedans, tu vas goûter à mon taser. Oh là là, putain, Mourad, il a pas l'air net, quoi. Attends, je... Et Bibiche. Ah, la conne, elle m'a fait rire. Arrête, Bibiche. Mais vas-y, ça avance ou quoi? Oh là là, frère! Je vais te taser! Non! Voilà. Allez! Oh là là! Ouais, non. Et donc... Il y a un truc qu'il faudrait que je comprenne. C'est-à-dire que les 10 voitures qui sont devant moi... Donc cherche les meufs qui sont en train de marcher sur le trottoir. Ok? Qui sont ivres mortes. Qui sont ivres mortes. Qui sont habillées comme à la. Hein, tu m'as compris. Mais il y a un truc qu'il faut qu'on me parle, qu'on m'explique. Il y a un truc qu'il faut qu'on m'explique. C'est-à-dire que il y a combien de chances sur 100. Attends, là je suis déboussolé là. Je vais passer un peu là. Ferme ta gueule, sale chien, va. Fils de putain, va. Bref. Et Ah, il m'a énervé, Jean-Marie, là. Putain, comment elle est baissée, celle-là? Non, c'est trop. Ah, putain, Jean-Marie, j'ai envie de retourner lui mettre un coup de taser, quoi. Doucement, avec ton Cayenne, ferme ta gueule, va. Ça dégage, toi. Oh lolo. Non. Ouais, il y a des mineurs, hein, donc je peux pas montrer ce que je vois, quoi. Mais après, c'est bizarre parce que la meuf, elle est là. Elle est en jupe, en talon, en truc, tellement courte qu'on lui voit ce qu'elle a mangé hier. Et quelque part, dès que t'essayes de lui mettre la main au panier, non, je suis pas une meuf comme ça. Ouais, mais alors ferme ta gueule, alors. Dans ce cas-là, mets une salopette et va te faire enculer. C'est pas vrai ou quoi? Bah oui, c'est vrai. Bon. C'est pas le problème. Le problème, c'est que je me demande sur, par exemple, sur 100 personnes. Attends, deux secondes. Ferme-la, j'écris juste un message. Sur 100 personnes... Sur 100 meufs qui marchent sur les champs, qui sont un peu bourrées, qui reviennent de soirée, etc. Bon, elles ont passé une bonne soirée, elles ont bien dansé, elles sont bien fatiguées, elles ont bien bu, elles ont la peau du ventre bien tendue. Bon, sur toutes ces meufs-là, combien vont monter avec les voitures
avec les gens qui roulent, tu sais, sur la route comme ça et qui parlent aux meufs. Déjà, cousin, la voiture, elle est blindée. Attends, ferme-la parce que ça tient plus là. Ouais, c'est la force centrifuge, j'ai étudié ça au bac. Donc, toi, t'es là. Attends, ferme-la, je suis en train de faire un réglage. Ouais, là, c'est nul. Tu vois, là, c'est de la merde. Là, c'est bien. Donc, imagine, toi, t'es en train de rouler sur les champs. T'es avec tes potes. Vous êtes quatre dans la voiture, il n'y a que quatre places. Quelque part, on est marron. Tu vois des meufs qui marchent sur le côté. Imaginons que tu réussisses à parler à la meuf avant qu'elle te crache à la gueule ou qu'elle se barre et qu'elle monte avec toi. Déjà, sur 100 meufs, combien vont faire ça? Je me le demande. C'est la première question. La deuxième question, c'est que donc la meuf, elle est montée. Mais il n'y a que 4 places, donc elle va pas monter dans le coffre. Et ton pote, il va pas monter dans le coffre parce que ton coffre, il est plein de saloperies. Hein? Moi, je me rappelle à une époque, ce qu'on faisait, c'est que tu sais, on peut pas être armé dans les voitures. Bon, c'est logique, hein? On est en France, on n'est pas, on n'est pas à Beyrouth ici. Hein? Donc, si tu veux, on peut pas être armé. Mais faut être malin. Donc, tout ce qui était taser, matraque télescopique, etc., on l'oubliait. Parce qu'à une époque, il y avait une BAC, la BAC du 16, la nuit, ils étaient archi chauds. Donc pour rien, ils te contrôlaient, enfin bref. Donc si tu veux, à la fin, il a fallu trouver des parades. Hein? Donc, la parade qu'on a... Qu'est-ce que tu cherches, quoi? À la fin, il a fallu trouver des parades. Moi, j'ai trouvé la parade de la batte de baseball dans le coffre, mais pas que ça. Pas que ça. La parade de la batte de baseball, mais aussi dans le coffre, le gant et la boule de baseball. Bah ouais, bien sûr. La balle de baseball, la batte de baseball et le gant de baseball. Comme ça, le mec t'arrête. Qu'est-ce que vous faites avec une batte? Bah, je vais m'entraîner. Je suis du club machin. Bon, il n'y a pas de club à Paris. Enfin, je pense pas, mais bon. Je suis du club machin. Je vais faire quelques balles. Et à la fin, tellement on se faisait arrêter que la batte, elle était morte, mais le gant et la balle, ils étaient nickel. Donc ça, déjà, on est passé pour des cons. Au bout d'un moment, l'autre, il me disait, mais tu te fous de la gueule de qui? Je viens de contrôler ton copain, parce que nous, on se passait le mot. Tiens, j'ai découvert une nouvelle connerie, mets-toi ça dans le coffre, ça passe nickel. À la fin, il dirait, tiens, ce soir, j'ai contrôlé toute l'équipe. Un jour, un des mecs de là-bas qui me l'a dit, il m'a dit, attends, laisse-moi deviner, t'es pas de l'équipe machin, je vous suis, comment vous savez? Parce que j'ai contrôlé tes 12 copains de merde tout à l'heure. Donc je me suis fait confisquer la batte. Hein. Mais bon, c'est pas grave, qu'il la garde, ça me fait plaisir. Bon, ça c'est le premier point. Donc le coffre est plein généralement. Donc comment tu vas faire? Où est-ce que tu vas la faire monter? Parce que tu vas pas dire à ton pote, en anglais c'est bros before hoes. Bros before hoes. C'est-à-dire les potes avant les putes. Attention, j'ai pas dit que tout le monde était une pute, hein. Calme-toi, je te vois déjà blasphémer. Donc, ton pas. Attends, je baisse parce qu'il y a la Mondeo, on va se calmer tout de suite parce qu'eux, ils ont pas envie de rigoler. Bonsoir. Attention, il y a encore la police, donc on va baisser la caméra parce que sinon, le temps que j'explique que je suis en train de tourner un reportage sur Envoyé Spécial, ils vont mettre un coup de batte, donc je vais me calmer tout de suite. Ah là là, le duplex, je comprends pas. Je sais pas à qui c'est le duplex. Mais ils doivent faire un chiffre d'affaires démentiel. C'est tout le temps plein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, c'est pas le problème, on s'en fout. Je suis désolé, ici la règle d'or, c'est qu'il y a un mec qui s'appelle Boisiz, un ami à moi, qui dort. Et la règle d'or, c'est toujours accélérer quand on est en bas de chez lui. Voilà. Comme ça, on a réveillé Boisiz. Boisiz, si tu me regardes, bonne nuit. Donc bref, ça c'est fait. C'est la règle d'or. Chaque fois que tu passes dans cette rue, il faut accélérer pour réveiller Boisiz. C'est la règle. Donc là, on est en Cayenne, il n'y a pas de problème. Mais je te cache pas, quand tu démarres en Bugatti Veyron ou en Pagani, il y a un problème. L'autre, il se réveille, il se passe quelque chose. Quoi. Bref. Donc tu vas pas virer tes potes de la voiture pour faire monter la meuf. Tu vois? Et en gros, t'es baisé parce que tu vas lui parler. Qu'est-ce qui va se passer? Enfin, moi, j'ai jamais compris. Et pourtant, j'ai essayé. Hein. J'ai déjà essayé. Hein. Je vais pas mentir. Hein. Moi, je suis pas un menteur. J'ai déjà essayé mille fois d'essayer. Je l'ai essayé parce que je me suis dit, tiens, regarde, si eux, peut-être qu'ils y arrivent, moi, je vais peut-être y arriver aussi. Putain, ça a jamais marché. J'ai jamais réussi. Bon, si, j'ai peut-être réussi, mais. Attends, j'ai un petit Roland. J'ai sûrement réussi une ou deux fois.
Mais attention, hein, là, faut pas être taquin sur la marchandise, hein, parce que tu peux tomber sur Roberto. Tu croyais que c'était une meuf, l'autre il te sort une paire de couilles, pas du tout. Hein. Ça, par contre, ça m'est arrivé une fois. Hein, ça, je vais pas vous mentir. Mais calme-toi, je te vois déjà me juger. Ne me juge pas. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'était que j'étais en train de rentrer chez moi. Je crois que j'avais même filmé ce moment-là il y a quelques années. J'étais en train de rentrer chez moi. Il était 5-6 heures du matin. Ouais, moi, je suis quelqu'un de nocturne. Hein, comme je cesse de le répéter, nous, on est des vampires, hein, si tu veux. Donc, la nuit, c'est comme ça. Donc, si tu veux, moi, j'étais en train de parler au téléphone et tout. Et bon, je me dis, bon, il est tard, je vais peut-être rentrer. Hein. Donc, je rentre. J'arrive à la porte de la muette et je vois une meuf. Enfin, j'ai cru que c'était une meuf, tu comprends. J'ai vu une meuf, petite jupe, talons, etc. Et à Paris, il y a une boîte qui s'appelle Bagatelle. Et c'est une boîte qui est à côté du bois de Boulogne. Et en gros, le soir, t'as plein de petites. On peut y passer devant si vous voulez. Hein, avec un peu de temps, je vais croiser mon ex, elle va me gazer. Bon, c'est pas grave. Si tu veux, il y a Bagatelle. Et nous, on est habitué maintenant à voir, vous allez le voir de vos propres yeux, des meufs en mode petite jupe, talon, tu sais, propre, tu vois, qui attendent le taxi ou qui marchent ou. Ah, on sait pas ça. Donc, si tu veux, moi, je me suis dit, tiens, c'est sûrement une meuf de Bagatelle, elle doit me connaître, hein, parce qu'on se connaît tous dans cette secte. Donc, la meuf, je lui dis, ça va, et tout, machin, je fais, ouais, ça va. Qu'est-ce que tu fais et tout? Je fais, bah, hein, là, je rentre, et toi, qu'est-ce que tu fais? Elle me fait, ah, je sais pas, je suis là, je sais pas, il n'y a pas de taxi, tu veux pas me ramener? Je fais, bien sûr, monte. Moi, je me suis dit, on va faire un petit arrêt par la maison, tranquillement, je vais lui planter le bâton, et on s'arrête là. Donc, bref. Donc, on est en train de rouler. On est en train de rouler, puis à un moment donné, tu sais, bon, tu peux quand même te permettre de regarder le menu. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, je regarde le menu, je regarde comme ça. Et là, tu sais pas ce que je vois? Une paire de couilles posées comme ça sur le siège. Genre... Ah non, là, non. Non, j'étais obligé de lui mettre un coup de gazeuse, allez, dégage. Enfin, ah non, moi, je suis poli. Hein. Moi, t'es fou, moi, je... Ah non, non, ça, non, je fais pas ça, je mange pas de ce pain-là. Ah non, on n'est pas des animaux quand même. Bref, donc l'autre, elle était là. Truc, tu vois, en plus, c'est le passé. C'est ça le problème, c'est que tu peux te faire niquer au bout d'un moment. Parce que c'est tellement bien fait. Attention, Aziz, attention. Oh, allez, vas-y, allez, vas-y. Il est là, frère, il savent même pas piquer. Mais vous vous rendez pas compte que c'est des travelots ici. Vous vous rendez pas compte, putain. C'est pas possible. Pourquoi il me suit, lui? Ça va pas ou quoi? Non, vous vous rendez pas compte que c'est des travelots dans le bois de Boulogne? Arrêtez d'aller au bois de Boulogne. Arrêtez. C'est tous des travelots. Mais c'est des travelots. Travelots. Ça veut dire un travelot quand même. Arrête d'aller là-bas. Après tu fais le gogo danseur. Oh moi je m'en bats les couilles. Oh moi la putain, je vais la buzzer. Eh frère, et c'est une meuf gros. Eh gros, c'est un mec gros. Arrête-toi. Bref. Moi faut arrêter ça. Non, faut arrêter ça. Quand vous allez m'élire maire, je vais fermer cet endroit. On arrête ça. Hein, et on ouvre les maisons closes. Ça fait plus propre. Voilà. Bon. Et putain, c'est glauque, hein. Ouh. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc c'est bien fait parce que maintenant la médecine fait des miracles. Bon, on n'arrive toujours pas à soigner certaines maladies qui sont là depuis 30-40 ans, mais par contre on arrive à faire mettre des bites, à mettre des chattes et à mettre des seins. Ouais, c'est bizarre. Bref, hein, quelque part on se fout de ma gueule. Bon. Alors, c'est vachement bien fait, donc tu peux te faire avoir. Mais non, l'autre. Et puis à la pudeur, l'autre elle avait les couilles à l'air. Voilà. Ouais, on va arrêter d'en parler parce que ça me donne la gerbe. Une voiture qui me suit depuis tout à l'heure, je pense que c'est soit la BAC. Qu'est-ce que c'est que ça? Il se rapproche vite. Ça, c'est peut-être la BAC. Appel de phare? C'est quoi ça? C'est pas la BAC? Regarde, tu me fais des appels de phare à moi! À moi, tu fais des appels de phare! Tiens, regarde, fais des appels de phare, il y a ça! Tu vas voir. Attends, on va monter ça, c'est parti. Alors attends, hop, attention, on se prépare. Remonte tes chaussettes, mode sport activé. Tu vas voir. Le mec il est en smart et tu me fais des appels de phare. Non mais t'es insolent. Le mec il est en smart, il me fait des appels de phare. Bon, allez, feu vert, c'est parti. Allez, c'est parti. Aller dormir quelque part, le mec est en smart, hein, je suis en Cayenne turbo, il y a un problème quelque part, le mec il est là, appel de phare. Par contre il y aurait eu les jumelles ici, j'aurais été marron. Bref,
Ah ouais, au fait, pour ceux qui essayeraient de faire la petite blague, genre quand vous faites arrêter, mais je suis en train de me faire poursuivre et braquer. Ça marche plus. Hein. Ça marchait dans les années 2000, maintenant c'est fini. Maintenant ils en ont rien à foutre. Moi je me rappelle, j'étais avec mon ex et on était vers Place de Clichy, on descendait, moi j'étais là, sens inverse, j'étais bien, tu vois. Je me fais arrêter par les flics et je leur dis mais elle fait une crise d'asthme, regardez là, elle fait une crise d'asthme. Et l'autre hamara, ils m'ont regardé, ils m'ont fait ah ouais, ils m'ont fait descendre de la voiture, ils ont pris la meuf, ils l'ont emmenée à la pharmacie, moi je suis attendu, j'ai pris l'amende. C'est ouf. Hein. Bon, Bagatelle c'est censé être là. Attention, parce que je vais pas perdre. Regarde, qu'est-ce que c'est que ça là? Attention, il va me couper la route. Il va me couper la route, l'enculé. Tiens, regarde, t'as essayé de me braquer. C'est marrant. Là, quelque part, c'est là, Bagatelle. Là, s'il y a un chevreuil qui passe, on est bon. Hein. Bon. En tout cas, là n'est pas la question. Ça va refaire mon brushing. Ouais, moi j'ai toujours peur dans le bois de Boulogne. Tu sais pas, hein. Tu peux te faire détrousser par des. Attends, qu'est-ce qu'il m'avait dit mon pote? Et le mot qu'il avait. Alors, quand on est parti là cet été dans le sud, on est allé en train, il m'a dit un mot. Ah oui. Il m'a dit ouais, tu veux pas qu'on fasse les mecs, t'as la diligence. Voilà. Ouais, avec des copains comme ça, comment tu veux que je sois normal quelque part? Bref, donc, putain, nouvel iPhone, réseau indisponible, ouais, pas très loin d'Aix-en-Provence, oh, l'hôtel est bon, on se fout de ma gueule. Donc, si tu veux, je sais même pas de quoi, qu'est-ce que j'étais en train de dire, bref, on s'en fout. En tout cas, sachez que ce fut encore, moi j'arrive à ma destination, donc je vais devoir couper. Ouais, faut savoir aimer, apprécier les bonnes choses. Donc bah merci à vous, je sais plus du coup tout de quoi je parlais, mais en tout cas je vous embrasse, je vous aime très fort et à bientôt pour de nouvelles aventures.